Des combats et des affrontements s'intensifient depuis le 15 avril dernier du côté de Khartoum entre l'armée régulière mais également les forces paramilitaires du général Daglo. Aujourd'hui, les nombres de blessés et de morts ont tout simplement grimpé et un concert de détonateurs se poursuit. Malgré un cessez-le-feu qui a été demandé et de violents combats qui ont repris entre les forces armées soudanaises et les combattants du général Daglo dans la capitale de Khartoum déjà le 18 avril dernier. Il faut mentionner évidemment que des médiations africaines ont été mises en place, mais des médiations occidentales également. Le cessez-le-feu qui avait été demandé, je le cite, par l'Amérique n'a pas été respecté. Maintenant, à quel niveau se trouve le blocage? L'on essaiera de comprendre cette situation dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Toujours dans cette émission, nous ferons un cap également du côté du Mali pour parler de la survie de la MINUSMA sur le territoire malien. Aujourd'hui, cette même MINUSMA est en train de négocier sa survie sur le territoire, son séjour, disons-le ainsi, un séjour qui reste jusqu'ici insatisfaisant selon le pouvoir de Bamako, mais également un rapport accablant de Guterres, le secrétaire général de l'ONU, est venu déchirer encore ce qu'on pourrait appeler l'entente entre les deux parties. Dans le cadre de cette émission, nous revenons également sur cette actualité avec notre invité qui n'est nul autre que Paul Ella. Il est analyste financier et puis géostratège. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Bégoudé, bonsoir à l'équipe technique, bonsoir à tous vos multiples et nombreux spectateurs, auditeurs, téléauditeurs. Un plaisir de vous retrouver et donc dégrainer avec vous les éléments d'actualité. C'est un plaisir également de vous recevoir. On démarre les hostilités juste après cette transition. Merci à tous de nous regarder sur nos différentes plateformes Internet for You Media Africa, de nous écouter sur notre radio 96.3 FM et via l'application For You Media téléchargeable sur Play Store. Avec vous, dans le cadre de cette émission Regard panafricain, nous revenons sur la situation de crise du côté du Soudan. Nous parlons notamment des médiations africaines et occidentales, un cessez-le-feu bafoué sur le territoire. Le nombre de morts et de blessés qui continue d'augmenter, on tend aujourd'hui à plus de 1000, à près de 2000 blessés et puis une centaine, des centaines de morts. Paul Ella, vous êtes l'invité de cette émission Regard panafricain. Quel regard posez-vous déjà sur la situation du côté du Soudan, pratiquement 5 jours après le lancement des affrontements entre les deux armées rivales? Alors, il faut savoir que le Soudan est, depuis son indépendance, ce qu'on peut considérer comme son indépendance de la tutelle anglaise, c'est-à-dire en 1956, en proie à des successions de pouvoirs militaires et de coups d'État, et donc à une instabilité certaine qui dénote tout simplement d'un ensemble d'intérêts extérieurs qui manipulent les populations internes et les élites internes, justement dans une guerre fratricide qui a conduit en 2011 à la séparation des deux Soudans, en tout cas qui a vu la création du Soudan du Sud et qui a vu également depuis 2003 une guerre fratricide au Darfour notamment. Et effectivement, il y a là une sorte de spirale de violence, d'instabilité, de perte de souveraineté des populations et des élites en général, des Soudanais en général. Et c'est évidemment une situation extrêmement préoccupante, mais je m'interroge et on va sûrement y arriver dans le fil de votre interview.
de votre émission, je m'interroge, même si je me fais ma petite idée, sur les origines claires et la sincérité des médiateurs qui font ce bal-là depuis, hein, ce bal diplomatique depuis un certain nombre d'années sans qu'absolument rien ne change. Eh bien, vous parlez de ces médiations, justement, il y a des sorties comme celle du président tchadien, par exemple, qui a rappelé à plusieurs reprises qu'il avait eu des entretiens téléphoniques avec les deux camps rivaux et appelé à un cessez-le-feu. Maintenant, on se retrouve également avec la médiation, comme qui dirait, à Rabat, avec, par exemple, le président algérien, Tebboune, qui lui aussi a lancé une batterie d'initiatives pour appeler à un cessez-le-feu. Il a notamment contacté par courrier le secrétaire général de l'ONU, contacté également le secrétaire exécutif de l'IGAD, il a contacté également la Ligue arabe, en tout cas des médiations mises en place, mais que peuvent-elles face à un pouvoir divisé justement au Soudan? Il faut savoir que dans les médiations, heureusement ou malheureusement, ça dépend d'où on se trouve, il y a souvent et surtout, et ça c'est malheureux, un jeu de positionnement. Vous voyez des personnes qui s'impliquent dans des médiations, il faut souvent vous interroger sur la stabilité de leur propre pays. Et c'est souvent des enjeux. Soit parce qu'on est à la veille d'une élection, soit parce qu'on n'est soi-même pas totalement légitime dans son pays, soit parce qu'on est en proie à des instabilités internes de son propre pays et donc on veut gagner à l'international ce qu'on n'a pas forcément en local. Donc ça déjà, ça pose un problème. La nature des médiateurs. Dans la plupart des cas, on est en droit de s'interroger si il y a une véritable détermination, une véritable sincérité dans la démarche, quand on peut dénoter de façon factuelle qu'il y a aussi, peut-être surtout, un élan de positionnement personnel dans le camp des médiateurs. Je ne sais pas trop comment ils sont choisis, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut remarquer dans la plupart des conflits où il y a des médiations et des intermédiations de chefs d'État. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que ils font ce qu'ils peuvent, ces médiateurs-là, parce que il vaut mieux avoir essayé que de n'avoir rien fait. Mais est-ce que la situation sur place est à même de suivre en fait les souhaits ou alors la démarche que préconisent ces médiations-là? C'est ça toute la question. Parce que vous avez des intérêts qui sont internes, mais qui ont des racines externes, extérieures. Vous avez des intérêts capitalistes, des puissances extérieures. Quand vous voyez le positionnement des États-Unis dans un certain nombre de conflits, évidemment que c'est tout sauf pour la paix dans le monde et les droits de l'homme. C'est d'abord pour leurs intérêts. Et que c'est ce qui est vrai pour les États-Unis est vrai pour tous les pays occidentaux, notamment les anciennes puissances coloniales, qui ont de façon certaine, une dimension de prédation qui n'a jamais changé, qui est immuable. Et donc, même les aspirations à restaurer la paix dans des cas comme celui du Soudan, ou d'ailleurs, on a vu comment ça se passe à Haïti, on a vu comment ça se passe au Yémen, on a vu comment ça s'est passé en Afghanistan, en Libye et partout où vous voulez. En réalité, il y a de bonnes raisons, quand on convoque les intérêts géostratégiques des uns et des autres qui se disent être engagés dans la négociation pour un retour à la paix, il y a des raisons de s'interroger. Quand on sait quels sont les enjeux économique, politique et géostratégique de façon générale. Donc, cette médiation, j'ai envie de dire, on ne peut pas la récuser parce qu'il faut bien faire quelque chose, mais on est sérieusement en droit de s'interroger sur les aspirations, les motivations et l'intérêt sincère, aussi bien d'un point de vue individuel de ces médiateurs que d'un point de vue géostratégique, c'est-à-dire des intérêts des nations qu'ils représentent.
Et justement, vous parlez des nations représentées. On pourrait être tenté de penser que la situation actuelle du côté du Soudan pourrait malheureusement entraver l'aspect sécuritaire des différentes frontières. On pourrait citer rapidement celle du Tchad, par exemple, qui est très proche du Soudan, celle de la République centrafricaine, qui est très proche, et peut-être également, pas la frontière du Cameroun, mais disons une sorte de canal qui pourrait partir du Soudan à la République centrafricaine et par exemple se retrouver au Cameroun. Pourquoi déposer sur la table ce pan de l'actualité? C'est au vu, bien sûr, de votre expertise. Alors, si j'ai bien compris, vous parlez des effets potentiels sur les environs. Alors, il y a les effets, il y a les causes, il y a les conséquences, il y a les causes. C'est-à-dire que dans ce genre de conflit, les pays frontaliers peuvent être, pas des causes directes, mais en fait même indirectes. C'est-à-dire que, bon, je prends l'exemple de ce qui se passe aussi dans le Sahel aujourd'hui, avec le G5 Sahel qui s'est constitué face à la menace terroriste des djihadistes, mais en réalité, la cause, c'était l'instabilité de la Libye. Vous voyez? Donc je dis, dans des conflits qui connaissent en fait enfin, dans des pays qui se retrouvent être avec des voisins, il y a souvent une sorte de transfert des ondes d'instabilité. Et ce qu'on peut craindre également dans le conflit avec le Soudan, c'est quand vous regardez les environs, l'Érythrée a une frontière avec le Soudan, vous savez que l'Érythrée n'a pas toujours été des plus stables, L'Éthiopie l'Éthiopie également. a une frontière avec le Soudan, ça a pareil, il y a eu des instabilités qui ne sont pas totalement soldées, vous avez le Tchad, vous avez la Centrafrique, et vous voyez bien que en réalité, il y a une sorte de transmission d'ondes d'instabilité lorsque un pays est déstabilisé pour des raisons diverses. Souvent, c'est parce que les intérêts sont. Je peux parler également de la RDC et du Rwanda. Vous vous rappelez que le nord, le nord précisément, mais aussi le sud Kivu à l'est du Congo, de la RDC, a commencé à connaître sa véritable instabilité, en tout cas marquée telle qu'elle est aujourd'hui, de façon accentuée après le génocide du Rwanda. Vous voyez, donc il y a toutes ces choses. Surtout que souvent, ce sont les mêmes peuples qui sont de part et d'autre des frontières. Donc oui, il y a un risque véritable. D'une part déjà, il y a la cause qui est que l'instabilité environnante se propage et que le risque, c'est les conséquences, qu'elle continue de se propager ou alors qu'elle perdure dans les régions concernées. C'est d'ailleurs pour cela que les médiateurs sont souvent, comme c'est le cas avec le Tchad notamment, des pays frontaliers, parce qu'ils sont aussi dans une logique de préserver, en tout cas pour ce qu'il en reste pour certains pays, leur stabilité. Donc oui, il y a non seulement les causes qu'on a évoquées, réelles et éventuelles, mais il y a également des conséquences réelles et éventuelles également. Et certains pourraient penser, certains observateurs de la scène panafricaine estiment que le Soudan pourrait devenir le ventre mou de la région et directement servir d'auto-tamponneuse à ces différents rebelles qui se retrouveraient dans les pays qui, Environnant. justement, traverse déjà ces difficultés sur le plan sécuritaire. On a vu le Tchad, par exemple, fermer ses frontières très vite, de peur que, eh bien, l'huile finisse par arriver de son côté. Mais aujourd'hui, est-ce qu'au vu de cette peur, on ne peut pas comprendre effectivement cette médiation, ce balai diplomatique qui est mis en place ou ces différentes, cette batterie d'activités ou alors d'initiatives? Ça ne peut être que louable. Ma préoccupation, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est que ce soit sincère. C'est-à-dire, je questionne la sincérité de ces engagements. Évidemment que personne ne voudrait que son pays se déstabilise, mais la motivation est importante. C'est-à-dire, est-ce qu'on le fait vraiment parce qu'on souhaite la stabilité du pays ou de la région, ou alors c'est un jeu de positionnement, ou c'est tiré ou alors les ficelles sont tirées depuis l'extérieur. Voilà, c'est vraiment ça. Parce que
Malheureusement, vous avez des conflits qui perdurent, mais y compris les médiateurs, certains médiateurs, c'est pas systématique, y compris dans certains cas, certains médiateurs n'ont pas intérêt que ça se termine. Du moment où ils savent ou ils sentent que leurs intérêts personnels, privés, en tout cas égoïstes, sont menacés et c'est vraiment comment dire, la méthode de la terre brûlée pour certains. C'est-à-dire, bon, autant, comme on dit vulgairement, s'agate, s'agate. Donc, il faudrait tout simplement qu'il y ait, mais on n'est pas Dieu pour le jurer, qu'il y ait cette véritable sincérité-là dans les. On a même vu de très, très, très mauvais arrangements qui ont plutôt créé une situation durable d'instabilité. On a vu des médiations en Libye, on a vu des médiations à l'époque de l'instabilité en Côte d'Ivoire avant les années 2010, avant 2010-2011. On a vu un peu partout dans le monde des intermédiations qui en réalité venaient davantage pourrir la situation. On a vu des médiations au Mali qui ont abouti aux accords d'Alger qui allaient subtilement et dans le sens de la partition du Mali. On a vu ce qui s'est passé avec la division du Soudan, entre le Sud-Soudan. Donc, vous vous rendez compte que les médiations doivent être aussi questionnées dans leur pertinence, dans leur sincérité, dans leur projection et dans leur véritable but en réalité. Et quel rôle pourrait jouer ici l'ONU justement en tant que participant à la médiation ou encore l'IGAD qui est, disons, l'institution qui régule la libre circulation, les libres échanges par exemple, ou alors l'intégration en sous-régionale, disons-le ainsi, justement dans la sous-région. Alors, la question de l'ONU, pour moi, est tranchée. Est tranchée parce que aucune personne, à mon sens, qui connaisse un tout petit peu la géopolitique et l'histoire des relations internationales depuis au moins 1945, après la Seconde Guerre mondiale, ne peut accorder le moins de crédit en termes de sincérité et de véritable volonté de paix à l'ONU. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Mais tout simplement parce que l'ONU est inféodée et a été conçue dans la logique de la protection des intérêts des plus grands, enfin, tels qu'ils sont présentés, notamment les États-Unis, qui sont quand même contributeurs à plus de 22%, donc le plus gros contributeur de l'ONU. Ils viennent juste avant. Juste après l'Union européenne qui est à 23%, mais en réalité on parle de l'Union européenne, c'est plusieurs pays, mais en tant que pays individuel, c'est les États-Unis les patrons. Et donc on sait ce que ça veut dire quand il y a quelqu'un qui met plus que les autres. Donc en réalité, pour être très honnête, je ne m'attends à rien, pas à grand-chose, mais à rien de la part que ce soit au Soudan, que ce soit dans n'importe quelle partie du monde, dans n'importe quel conflit. Depuis que j'ai ouvert les yeux et que j'ai compris les enjeux géopolitiques et géostratégiques et le caractère inféodé de l'ONU par les puissances, notamment la puissance américaine, je ne crois pas une seule seconde à la sincérité de l'ONU. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Haïti, je peux citer plein d'exemples comme ça, au Mali avec la MINUSMA, la MINUSCO en RDC, ou encore l'intervention militaire de l'ONU au Centrafrique. Donc, vous voulez qu'on parle de toutes les autres guerres, du Yémen et tout, quel a été le rôle de l'ONU? Le rôle de l'ONU n'a Il toujours pourrait été. donc venir jeter son grain de sable à l'intérieur de cette crise au Soudan. Rappelons quand même qu'il y a un accord pendant. Un accord pendant qui a eu du mal à être paraphé finalement avec plusieurs reports et qui ont donné lieu à ce qu'on voit aujourd'hui comme conflit. Finalement, entre accord, médiation de l'ONU et puis balai diplomatique, on s'est retrouvé dans une exacerbation des tensions qu'on peut constater aujourd'hui. Mais
À quoi bon alors ce qui arrive, par exemple? Ben, parce que c'est le jeu diplomatique, c'est le jeu politique, c'est la scène internationale. Il faut se bouger, il faut montrer qu'on essaye des choses, il faut montrer qu'on fait des choses. Et une fois de plus, tout est question de motivation. D'où est-ce que, quelles sont les aspirations véritables des uns et des autres? C'est ça la vraie question. Et vous parliez de l'institution régionale De qui l'IGAD. également voilà, a pris des dispositions, mais vous savez très bien, comme moi, que malheureusement, pour l'instant encore, et ça commence à trop durer, il faudrait qu'on en découdre avec cette réalité-là, qui est que nos institutions africaines, régionales et sous-régionales, sont encore à la solde des puissances extérieures, qui malheureusement constituent la principale voie, la principale pensée même de ces organisations-là, qui font le jeu des intérêts, le jeu d'intérêts des autres. Donc, que ce soit l'ONU, que ce soit les organisations régionales et sous-régionales, il y a un vrai problème dans tout ce qui est conflit. Il faut déjà voir l'origine des conflits. Parce que quand on parle même de vouloir résoudre des conflits, il faudrait déjà connaître l'origine. Vous avez des gens, je pense aux États-Unis, la France, enfin aux pays occidentaux, qui ont maille à partir avec leur caractère impérialiste. Quand vous regardez les différents conflits dans le monde et que vous analysez les causes, vous vous rendez compte que ceux qui viennent en médiation sont les principaux responsables de ces conflits. On nous dit aujourd'hui que l'ONU et les États-Unis et toutes ces grandes puissances sont très préoccupées par la situation du Kivu, par exemple, en RDC. Mais ce sont les multinationales mandatées par ces grandes puissances qui créent le désordre là-bas et qui payent les milices pour créer l'instabilité afin que le coltan, le cuivre, le caoutchouc et toutes les autres richesses du Congo, de la RDC, soient pillées impunément. C'est vrai à tout point de vue. C'était la même chose au Mali, c'est la même chose au Centrafrique, c'est la même chose partout. Partout, vous voyez des conflits. Posez-vous la question de pourquoi ces conflits. La principale raison du conflit au Soudan, c'est les ressources. Ce sont les richesses. Je vous rappelle que le Soudan, les revenus budgétaires du Soudan sont représentés à 90% par le pétrole. Je vous rappelle également que le Soudan détient de l'or, le Soudan c'est un certain nombre de richesses, le coton et autres. Mais ce sont toujours des zones stratégiques. Et quand on parle du Soudan, faut savoir que déstabiliser, pour ceux qui ont intérêt à déstabiliser une région, ce n'est pas seulement lié au pays en lui-même, c'est également les environs. Vous savez très bien qu'au-delà du Soudan, les pays environnants sont également des enjeux stratégiques pour l'impérialisme occidental. Et donc, ma foi, en analysant les causes, on est en droit légitimement de s'interroger sur la sincérité des prétendues négociations. Mais, comme vous l'avez si bien constaté dans votre question, c'est le jeu diplomatique, c'est la scène internationale, il faut montrer aux populations un peu, pour l'essentiel, naïves, parce qu'elles prennent ce qu'elles voient. Qu'on se bouge et qu'on veut que les choses changent. Mais pourtant, dans ces négociations-là, chacun essaye de pousser ses pions pour préserver ses intérêts. C'est ça qui est triste. Et finalement, cela donne l'impression, Paulella, que l'Afrique est abandonnée à elle-même, à tel point que l'Afrique elle-même ne peut pas céder. Vous parliez tout à l'heure des institutions africaines, des institutions sous-régionales qui, ma foi, n'arrive pas peut-être à avoir du poids dans certaines situations comme celle-là, du fait des financements extérieurs. Maintenant, on pourrait citer certains pays africains qui viendraient en médiateur, que vous direz, que vous doutez par exemple de la sincérité de ces pays-là. Bon, déjà, citons hein, en dehors de ceux qui ont mis déjà en marche certaines initiatives et qui sont très médiatisées, d'autres dont on n'en parle pas, c'est le président kényan. Par exemple, qui a décidé de mettre sur pied une médiation corps et âme, je dirais, dure comme fer. Il y croit que celle-ci pourra marcher, avec à l'intérieur également Djibouti qui pourrait apporter son soutien. Et je pense que l'Ouganda également fait partie de ces différents pays. Donc on a le Kenya, Djibouti, et puis on a l'Ouganda pour venir
à la rescousse du Soudan en termes de sécurité, en termes de crise politique, de cette médiation-là également dans l'est du pays, vous n'y croyez pas? Alors, je redis encore que chaque médiateur a des aspirations particulières. Je ne doute pas de façon systématique de la sincérité des uns et des autres. Il y a ceux pour lesquels je doute mordicus, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Vous me parlez des États-Unis qui veulent la paix au Soudan, c'est du grand n'importe quoi. De l'ONU et tout ça, j'y crois pas, une seule seconde. Par contre, les pays africains qui eux-mêmes subissent les affres de cette déstabilisation régionale, évidemment qu'ils ne peuvent que vouloir la stabilité. Évidemment. Ce que je dis, c'est malheureusement les intérêts égoïstes des uns et des autres en général priment. Ça veut dire qu'un pays va engager des négociations, mais dans le sens, pas seulement de la stabilité, mais dans le sens de son positionnement à lui. En général, c'est ça. En général, malheureusement, c'est ça. Maintenant, ce qu'il faudrait dire, c'est que l'idéal, et on dit qu'on n'atteint jamais un idéal, mais les Africains travaillent à atteindre cet idéal puisqu'ils l'ont connu. Je parle de la liberté véritable et l'indépendance réelle. C'est ça l'enjeu. Parce que le fait que des Africains s'engagent pour contribuer à la restauration d'une stabilité dans une région, c'est très bien. Mais quelle est leur capacité d'influence? C'est ça la vraie question. Vous dites-vous bien, ma chère Begoudé, que un pays africain, un représentant, un président d'un pays africain, ce que vous avez cité, Kenya, Djibouti. Djibouti et les autres, Tchad, ainsi de suite, supposons, et c'est tout ce que je souhaite, qu'ils soient vraiment sincères et qu'ils veuillent vraiment la stabilité, dénué de tout intérêt dans l'enjeu du Soudan, je précise. Parce qu'en fait, je parle bien de certains qui se positionnent par rapport à un enjeu lié à ce qui se passe dans le pays qu'on est supposé stabiliser. Je parle des enjeux égoïstes, des intérêts égoïstes. Supposons qu'ils soient sincères et qu'ils veuillent vraiment la stabilité. Que pourront-ils par rapport à la représentation d'un point de vue de la crédibilité, de la puissance économique, géostratégique, de la légitimité de leur statut de leader dans leur pays et ainsi de suite. Que pourront-ils réellement si leur influence est diluée par la toute-puissance de nuisance américaine, par exemple? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire Alors, que si ce en que vous face... essayez de dire, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent si dans leur propre pays, ils n'ont pas suffisamment de poigne pour tenir tête? Entre autres, c'est pour ça que j'ai cité une série de choses. J'ai dit la légitimité, déjà, je prends un exemple. Vous avez un président, par exemple, qui n'est pas légitime, c'est-à-dire que qui est légalement président, mais qui n'est pas Légitimez légitimement pas le président. peuple. Voilà. Mais il va chercher à arranger un problème à l'extérieur, alors que chez lui, il a déjà un problème à résoudre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que vous représentez, non seulement à l'intérieur de votre pays, mais à la face du monde. Vous voyez? Ce que vous représentez à la face du monde en termes de stabilité politique, en termes de puissance économique, en termes d'idéal, vous voyez ce que je veux dire? Si vous-même vous avez été un président parachuté à la solde de l'Occident dans le jeu des intérêts géopolitiques internationaux, vous allez vous lever pour vous opposer, par exemple, à la vision dans ce conflit-là des États-Unis, de l'Angleterre, de la France. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est juste pas possible. C'est-à-dire que si moi je suis président et que je dois ma légitimité à un parachutage par le canal des Mi'kmaq mafieux avec les États-Unis, la France qui me mettent là parce que je vais défendre leurs intérêts, mais je ne pourrai jamais contredire leur position par rapport à un conflit. Donc à un moment donné, je vais me porter médiateur. Mais je serai buté à la réalité selon laquelle les États-Unis, la France, toutes ces puissances-là, auxquelles je suis inféodé, auxquelles j'ai inféodé mon pays, je ne pourrai pas aller dans un sens contraire que leur désirata. Ça me semble tomber totalement sous le sens. Donc, je dis, c'est ça la véritable problématique. C'est-à-dire que vous avez des dirigeants africains qui parlent de médiation pour restaurer la stabilité, mais qui en réalité n'ont pas une voix qui porte ou qui compte d'un point de vue international. Pour diverses raisons.
J'en ai cité juste quelques-unes, mais il peut y avoir diverses raisons. Mais leur voix ne porte pas, leur voix ne compte pas pour X raisons. Et donc, on est en droit, légitimement, de s'interroger sur la pertinence ou sur l'efficacité de leurs actions. C'est bien, c'est louable, mais j'aimerais qu'on me donne un exemple. Je n'ai pas la science infuse, heureusement, j'apprends tous les jours. J'aimerais qu'on me donne un seul exemple dans le monde, en termes de conflits, dans le monde déjà, mais précisément en Afrique, où un dirigeant africain totalement indépendant, faudrait déjà le trouver, a pesé de tout son poids contre vents et marées, y compris contre la volonté des puissances occidentales qui voulaient préserver leurs intérêts dans cette région-là. Ça, c'est un sujet intéressant où j'aimerais vraiment avoir des réponses. Je serais le premier heureux qu'on me sorte au moins une exception. C'est pour dire que, en étant réaliste, quand on voit ce ballet diplomatique, qu'on veut que ce soit au Soudan, là le sujet c'est le Soudan, mais c'est vrai partout. C'est vrai partout. C'était vrai partout. C'est vrai partout. C'est vrai en Centrafrique. C'était vrai en Libye. On C'est vrai parlera partout. également du Mali. Du Mali, du Burkina Faso. Enfin, voilà. Partout où il y a eu des conflits, partout, on est en droit de se demander quelle est la sincérité des intervenants et surtout au niveau des Africains. Quelle est la portée de leur voix en termes de pertinence? Et au-delà de cela, on pourrait également aborder la question russe du côté du Soudan. C'est une question également qui divise. Des langues se délient et déclarent qu'il y a deux camps. Un camp qui serait pour l'utilisation, je veux dire, les coopérations ou alors une sorte de rapprochement avec la Russie, et un autre qui serait totalement contre. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec deux camps totalement rivaux. Alors, dans le cas du Soudan, contrairement au cas du Mali et du Centrafrique, par exemple, pour ne citer que ces deux-là, la Russie, en termes d'informations officielles, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais la Russie n'a pas un engagement militaire officiel au Soudan. C'est plus, il y a une présence, dit-on, de Wagner, mais qui ne s'est jamais jusqu'ici, de façon officielle, manifesté, en tout cas engagé dans le conflit, tout simplement parce que à l'origine, au temps déjà de Omar El-Béchir, un peu avant sa chute, mais surtout après l'arrivée du duo actuel, la Russie s'est positionnée notamment dans l'exploitation des mines. Précisément. Et donc, pour l'instant, la Russie reste plus observatrice parce qu'elle a des engagements d'un point de vue des affaires. Et est-ce que cela veut dire que la Russie ne pousse pas ses pions? Ben ça, je ne peux pas jurer de cela. Tout est question d'enjeux géostratégiques. Mais je pense que les Occidentaux, ils savent ce qu'ils font. Donc, c'est de bonne guerre. Ont vite fait de crier à l'implication ou à la potentielle, comment dire, Présence gens, ils sont oui. présents, mais ils sont en train de supputer sur leur engagement dans le conflit, ce qui n'a pas d'élément probant. Donc, oui, la Russie est présente par rapport à des intérêts économiques dans l'extraction des mines, l'exploitation en collaboration, je ne sais pas les termes, avec le gouvernement du Soudan, Al-Burhan. voilà. Mais d'un point de vue militaire, la Russie ne s'est jamais prononcée et n'a jamais montré de façon officielle des velléités à s'engager dans le conflit. Donc je pense que ça reste encore un peu du domaine du fantasme. Et les Occidentaux sont les spécialistes des fantasmes quand il s'agit des intérêts à préserver, qui ne sont pas les leurs, mais qui sont d'une autre puissance comme la Russie, qu'ils ne peuvent pas attaquer de front parce que c'est la Russie. Et donc, on essaye d'avoir quelques prétendues informations, ainsi. Mais il n'y a rien qui indique pour l'instant que la Russie va s'impliquer militairement parce que peut-être que ça risque de casser ses œufs. Quand on a un plateau d'œufs sur la tête, on évite de bagarrer.
Donc, je pense que c'est plus dans cette logique-là et on attend de voir, enfin. Mais je ne pourrais pas, en raison des informations qui sont à notre disposition, aller dans le sens des Occidentaux qui, eux, ont un autre agenda et d'autres raisons de discréditer, de vilipender la Russie, des raisons qu'on connaît. Eh bien, après avoir parlé de la Russie, parlons donc de la présence et de l'intérêt égyptien dans la crise du côté du Soudan. Des accusations déjà ont été émises sur la présence de certains soldats, disons égyptiens, qui prêteraient main forte dans cet affrontement. Maintenant, certains estiment qu'il y a un intérêt suffisamment probant pour l'Égypte dans ce conflit soudanais. Est-ce que vous partagez, Paulina, ce point de vue, du point de vue, pardonnez la tautologie, géostratégique? Absolument, absolument. Je pense que l'Égypte ne peut pas être indifférente. L'Égypte en tant que pays ne peut pas être indifférente, puisque l'Égypte partage une bonne partie de sa frontière avec le Soudan. C'est clair. Et je vous rappelle également que après la colonisation de l'Égypte et du Soudan par les Anglais, il y a eu une tutelle égypto-anglaise. C'est-à-dire que ce qu'ils ont appelé, je crois, un condominium, voilà, j'espère que je prononce bien, mais en tout cas, c'était une sorte de forme de tutelle jumelée entre l'Égypte et l'Angleterre. Et donc, l'Égypte a un intérêt historique d'abord, parce que non seulement la frontière, mais d'un point de vue des relations de tutelle, l'Égypte à ce souvenir, et pas que mémoriel, à ce souvenir d'une part dans les enjeux du Soudan. Donc, c'est tout à fait normal, enfin, ça s'explique, c'est ce Ça que je veux s'explique dire, normalement, oui. que l'Égypte ne reste pas muette. Voilà. Donc, maintenant, le Qu'elle position. participe, voilà, Exactement. oui. Maintenant, le positionnement de l'Égypte, moi je ne le connais pas, je ne le perçois pas pour l'instant, parce que je vous rappelle quand même qu'il y a deux factions, deux généraux Oui. qui s'affrontent, et en tout cas certainement pas pour l'intérêt du peuple, c'est évident, parce que deux personnes qui s'affrontent comme ça alors qu'ils étaient comme cul et chemise quand il fallait Faire le coup d'État voilà, qu'il fallait faire le coup contre d'État, Omar el-Béchir. exactement. Et maintenant qu'ils s'affrontent, ça ne peut pas être pour le peuple. Évidemment, chacun d'eux C'est va un vous jeu de dire, pouvoir. c'est un jeu de pouvoir aux égoïstes personnels, souvent, à coup sûr, manipulé de l'extérieur parce que les enjeux sont énormes au Soudan. Et donc, il est évident que l'Égypte ait son mot à dire. Ce qui serait encore plus légitime, c'est qu'elle ait son mot à dire. Pour l'intérêt des populations soudanaises, ce dont je doute très très fort, mais je pense qu'elle est dans un jeu de positionnement aussi, dans ce qui se passe actuellement chez son grand voisin soudanais. Et malheureusement, les ficelles sont souvent tirées ici et là, et ceux qui payent le prix fort, le lourd tribut de cette instabilité, ce sont les populations. Effectivement, les populations qui paient ce prix fort. Paul et là, on termine avec cette première thématique de regard panafricain en s'interrogeant, et si les enjeux étaient hors du Soudan? Alors, si les enjeux étaient hors du Soudan, ça c'est une très belle question. Je dis à un moment de cette émission que aucun enjeu n'était isolé. Je l'ai dit d'une autre manière, mais c'est ce que j'essayais de dire. Aucun D'accord. enjeu géostratégique n'est totalement isolé. Vous avez l'Érythrée qui a une propension très pro-russe, qui est frontalière au Soudan, à l'Éthiopie. Vous avez l'Éthiopie qui a une propension de plus en plus russophile d'un point de vue des partenariats, des enjeux. Vous avez un certain nombre le Soudan lui-même, Oui. qui est dans des tractations d'affaires avec la Russie depuis un moment. Et vous avez
l'Occident, on va dire en général, la France en particulier pour des parties comme le Tchad et le Centrafrique, qui partagent tous les deux des frontières avec le Soudan, et qui se voient déboutés hors de Centrafrique par exemple, qui a tout fait pour maintenir sa mainmise après le départ d'Idriss Déby Itno, qui affichait déjà des velléités indépendantistes vis-à-vis de la France. Et on a vu Emmanuel Macron courir, se précipiter pour adouber le fils, pour des raisons qu'on peut imaginer. Est-ce que le fils va se laisser aller au diktat français? Il est peut-être tôt de le dire, puisqu'on a vu des retournements de situation. Oui. Idriss Déby Itno, le père lui-même, était adoubé par les États-Unis quand il fallait remplacer son prédécesseur Hissène Habré. Mais on a vu à la fin de sa vie, au soir de sa vie, qu'il avait carrément fait volte-face. Donc, c'est juste pour dire que on voit bien que les intérêts des puissances étrangères dans des pays, soit qu'elles les maintiennent, soit que ces puissances étrangères maintiennent leurs intérêts, et donc veulent se rassurer en s'assurant qu'un large périmètre reste dans leur chasse gardée, soit que elles sont en train de perdre pied, comme c'est le cas par exemple en Centrafrique, de leurs intérêts dans ce pays-là, et qu'elles veuillent ratisser large pour faire un éventuel comeback. Je vous rappelle que ce soit pour le Rwanda que pour d'autres pays, Oui. les pays étrangers à la frontière sont souvent les bases arrière de préparation d'insurrection. Et donc, il est important de comprendre la géopolitique des environs. Et c'est une géopolitique qui indique clairement que la Russie est en train de se positionner sérieusement. J'ai cité les pays dans lesquels la Russie est en train vraiment de mettre le pied. Et donc, ça représente un enjeu au-delà du seul Soudan. Et il faudrait donc tout faire pour que ces puissances étrangères, chacune selon ses intérêts, positionnent l'un des deux belligérants, donc l'un des deux généraux qui sont en conflit, selon leurs intérêts spécifiques. Donc, on va vouloir une partie, c'est pour ça que je parlais de la. Je remettais en question la sincérité Des des médiateurs. médiateurs, parce que la plupart de ces médiateurs viennent avec un agenda caché, en sachant qu'ils veulent que ce soit elles qui prennent le dessus Donc, ils pour viennent en leurs intérêts. soutien plutôt que en Exactement. solution, oui. Là, par exemple, vous rendez compte que le second, qui est le numéro 2 donc, du Emeti. Soudan, voilà, il a une propension russe. De russophile. Et c'est notamment avec lui que la Russie a en grande partie ficelé les différents contrats. Vous comprenez donc bien que les Américains ne peuvent pas être dans son camp. Et vous comprenez ce que je disais depuis le début, que en réalité, ce sont des ficelles tirées de l'extérieur. C'est-à-dire que ceux qui sont pour le général à la tête du pays actuellement El Bourhane. ont leurs intérêts. Ceux qui sont pour le second ont leurs intérêts. Donc, c'est ça toute la problématique en fait des conflits en Afrique. Et donc des balais diplomatiques qui se veulent sincères et qui malheureusement amènent à s'interroger sur la pertinence de leur démarche. Et une fois qu'on a dit tout cela, Paul est là, qu'en est-il de l'accord? L'accord qui est censé donner une certaine voie entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Il faut le respecter. Les accords sont. Il n'a pas encore été signé parce qu'il a été très repoussé Il d'ailleurs. faudrait déjà qu'il soit signé, merci. Et ensuite, il faudrait encore qu'il soit respecté. Dieu sait le nombre d'accords dans des situations similaires qui ont été signés, mais qui jamais n'ont été respectés. Vous voulez que je parle d'Israël, de Palestine, enfin voilà, et de plein d'autres accords. Donc, c'est compliqué. Alors, comme je ne suis pas Dieu et que je ne peux pas dire voilà ce qui va se passer et que je ne peux pas jurer de ci ou de ça, on est là pour déblayer, Et pour analyser comprendre, pour froidement. analyser de façon la façon la plus froide la situation. Et donc ces accords, les accords ne sont que la conséquence une fois vous voyez que tout se tient. Ces accords,
futur accord, si jamais il était signé et admis de toutes les parties, c'est une autre paire de manches. Les différents accords, malheureusement, enfin, malheureusement, oui, malheureusement, sont encore l'émanation de ces intérêts égoïstes. C'est-à-dire que vous allez voir dans la plupart de ces accords-là, c'est des arrangements entre petits copains, même s'ils ne sont pas copains visiblement, ils se sont entendus, bon écoute, toi tu fais comme ça, moi je garde ça, toi tu gardes ça, mais les populations ne sont jamais, jamais, au grand jamais concernées. Donc, tous ces accords, c'est des accords politiques, mais qui ne visent pas, qu'on me donne un accord après un conflit qui a définitivement stabilisé un pays ou une région. En tout cas, moi, je suis impatient d'avoir cette information. En tout cas, vous avez mentionné la question du peuple. Vous me permettez de vous relancer justement sur la question. Au milieu de tout cela, il y a un peuple auquel on a déjà prêté des penchants pour le pouvoir entre les mains du général Hemeti, par exemple, qui, vous l'avez souligné tout à l'heure, est plutôt, lui, a un penchant assez russophile, disons-le ainsi. Et ce peuple qui serait donc au milieu aurait fait son choix. Est-ce qu'on est là dans un positionnement suffisamment légitime à venir du général Hemeti? Vous savez, les gens prennent toujours le peuple à témoin sans que le peuple n'ait Oui. à se prononcer. On dit, ouais, je me bats pour le peuple. Oh, le peuple m'a choisi. Bon, ça, c'est trop facile. Ça, c'est un jeu de langage politicien. Et bon, dans la réalité, alors, il faut dire que la vérité et la tendance en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, et de plus en plus, c'est le cas du Soudan en Afrique australe. Donc de l'Est, il y a, comment dire, il y a ce rejet de plus en plus assourdissant des populations africaines à l'endroit des puissances, des ex-puissances coloniales, et même des puissances coloniales, si tant est qu'elles soient, elles ne le soient plus. Vous voyez? Donc, en fait, je le dis pourquoi? Quand je le dis, c'est parce que vous avez fait allusion au. Vous avez fait allusion, je vais me permettre le pléonasme, moi, à mon tour aussi. Vous avez fait allusion aux allusions de. Aux allégations Oui. de tendance du peuple pour le russophile, donc Emeti, c'est Hemeti, comme ça voilà. qu'il se fait appeler. Oui, c'est son surnom. Voilà. Donc, vous avez fait allusion à cela. Alors, je ne peux pas jurer de cela, parce que je n'ai pas fait une enquête approfondie sur les véritables aspirations du peuple pour l'un ou pour l'autre des belligérants. Mais le bon sens voudrait que on se souvienne qu'il y a un rejet des puissances coloniales. Et les puissances coloniales, c'est qui? C'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre, en fait le bloc occidental, le bloc impérialiste occidental. Donc ça peut s'entendre que les populations soudanaises, dans leur grande majorité, d'après ce que vous me suggérez, d'après ce que les gens disent, il se pourrait que ce soit fondé, parce que ça tombe sous le sens. Il y a vraiment un rejet de la politique occidentalo-occidentale parce qu'on a vu leurs limites, même pas seulement leurs limites, on a vu leur engagement pour déstabiliser les peuples. Donc, ça peut s'expliquer que les populations soient dans une préférence par rapport au poids de l'histoire et des relations violentes, des violations, des relations. De mensonges, d'abus, de mépris vis-à-vis de l'Occident, ça peut être vraiment légitime à la suite des autres pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, ça peut tomber sous le sens d'entendre que les populations soudanaises soient davantage tournées vers le dirigeant qui serait beaucoup plus proche de la Russie, pour changer à un moment donné de fusil d'épaule et voir autre chose, essayer autre chose. Donc ça, pour moi, ça s'entend.
Merci Paul. Et là, nous allons sans transition aborder la question malienne à présent. Nous revenons sur l'aspect sécuritaire également du côté du Mali, mais on parle particulièrement du mandat de la MINUSMA du côté de Bamako. Ça passe ou ça cale là, finalement avec la MINUSMA. On rappelle que tout ce flou intervient au lendemain d'un rapport publié par Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU. Celui-ci a estimé que le rythme pour prendre le pouvoir civil du côté du Mali était suffisamment lent. Dans ce même rapport, il décriait une certaine lenteur même dans la résolution de la crise sécuritaire du côté du Mali. Un autre rapport, lui, parlait des difficultés que pourrait avoir la MINUSMA à se déployer en termes pas forcément de moyens, mais de liberté, disons-le ainsi. Aujourd'hui, le pouvoir de Bamako veut tenir complètement les règles du jeu, ou du moins la manette, en ce qui concerne les différents déploiements de la MINUSMA sur le territoire et, je dirais, les agissements de cette mission onusienne sur le territoire de Bamako. Lorsqu'on regarde également le bilan aujourd'hui, Paulila, pour vous, ça passe ou ça casse? La MINUSMA n'a rien à faire au Mali. Déjà, elle n'a jamais. La MINUSMA est arrivée au Mali en 2013. Et elle a remplacé la mission internationale de soutien pour le Mali, c'est-à-dire la MISMA. Et tout comme Barkhane, qui s'est muté donc et qui est devenu Barkhane en 2013, la MINUSMA a un bilan nul. Vraiment, c'est pas de, faut pas faire de langue de bois. C'est quoi le bilan de la MINUSMA? Les deux principales missions de la MINUSMA, quand ils arrivent au Mali, en tout cas à partir de 2013, c'est assurer la transition politique et assurer le maintien de la paix. Où est-ce qu'on en est? Ça fait 9 ans aujourd'hui qu'on a 13 000 hommes de la MINUSMA qui correspondent. Sans compter, ça c'est les hommes armés, sans compter les officiels, les civils, les organisations humanitaires et tout ce qui va avec, qui coûtent plus d'un milliard de francs CFA par jour. Plus Par d'un jour. milliard de francs CFA par jour, faut vérifier. Le budget global de la MINUSMA est de 1,5 milliard de dollars. Si on prend le dollar à 500 francs, on a plus de 500 milliards de francs CFA par jour. Il y a 366 jours, quand c'est l'année bissextile, dans une année, et ça fait bien plus d'un milliard de francs CFA par jour, puisque le total revient à 500 milliards de francs CFA environ. Donc, c'est tout sauf une mission de maintien de la paix. C'est une mission de débouché pour les marchés américains et occidentaux. C'est aussi simple que ça. On déplace un nombre aussi important de fonctionnaires de l'ONU, payés par les contribuables africains, qui sont nourris avec les marchandises, avec les vivres venant des États-Unis, avec les conserves venant des États-Unis, qui sont habillés par les entreprises de textile des États-Unis. C'est une industrie commercial dans tous les sens du terme qui trouve des débouchés en Afrique. C'est une formule, faut bien le comprendre. Donc, ils ne sont pas là pour faire de l'humanitaire, c'est du grand n'importe quoi. Ils sont là pour, en fait, ouvrir la brèche, créer des ouvertures aux Au commerce. multinationales, au commerce et donc aux multinationales occidentales et notamment américaines. Donc, la MINUSMA a renouvelé, a repoussé à chaque fois, a prorogé la fin de sa mission au moins, je ne sais pas, 5 ou 6 ou 7 fois. La dernière prorogation doit se terminer, devait, aurait dû se terminer le 30 juin 2022. Nous sommes en 2023. Nous sommes en 2023, en avril. Mais qu'est-ce que la MINUSMA, après un bilan nul, qui a plutôt commis et qui continue de commettre des exactions? C'était le cas en Centrafrique, c'était le cas à Haïti, c'était le cas partout. Ils ne font
que du désordre. On a vu à Haïti, la MINUSMA tirer sur des populations avec des centaines de morts. Ça n'a jamais été résolu. On a connu dans d'autres pays, comme en Centrafrique et ailleurs, des cas de viol et tout ça là. Ça n'a jamais été résolu. C'est ça le bilan de la MINUSMA. Mais quelle est la stabilité que la MINUSMA a apportée au Mali? Stabilité militaire. C'est depuis que le gouvernement d'Assimi Goïta et de Choguel Kokala Maïga, avec tous leurs valeureux ministres et leur équipe, depuis qu'ils sont arrivés, qu'ils ont mis fin à l'instabilité galopante du Mali. Et chaque jour, on engrange des résultats qui vont dans le sens de stabiliser le Mali. Donc, le rôle de la MINUSMA est plus que jamais contestable et contesté. Je vous rappelle que je crois que c'est la fin de ce mois. Il y a une grande manifestation engagée par le mouvement Yérolo, debout sur les remparts au Mali, qui va demander le départ pur et simple de la MINUSMA. Moi, j'étais au Mali, j'étais à Bamako, j'ai vu les installations de la MINUSMA, non loin de l'aéroport de Bamako. C'est choisi de façon stratégique, c'est pas au hasard, mais c'est tout un village qu'ils occupent là-bas. C'est impressionnant. Mais pour quel résultat, dans quel intérêt? En tout cas, pas celui des populations, pas celui du Mali. Et donc, il faut qu'ils dégagent. C'est aussi simple que ça. Et au sein de la MINUSMA, il y a que le retrait des troupes allemandes de la MINUSMA avait déjà été annoncé et puis demandé par la suite ou alors acquiescé par la suite par le gouvernement malien. Ceux-ci ont demandé, je parle là de l'Allemagne, le pays a demandé 9 à 12 mois pour se retirer car il ne s'agit pas d'un déménagement anodin, alors il faut un peu plus de temps sur le territoire et pendant que ces différentes troupes restent sur le territoire, continuent-elles de combattre, continuent-elles d'agir pour le maintien de la paix sur le territoire malien ou alors on se tourne les pouces. Non, mais les FAMA, les forces armées maliennes assurent, font le job avec le partenariat militaire avec les Russes. Ils font le job. En moins d'un an, ils ont fait ce que la farce Barkhane n'a jamais fait. Ils ont fait ce que l'autre farce MINUSMA n'a jamais fait. Donc vraiment, ils n'ont rien à faire au Mali. Ils n'ont rien à faire au Mali. Comme je dis, ils prennent leur temps parce que justement, leur mission première n'est pas d'aller combattre les djihadistes. C'est ça la vérité. Donc, en fait, eux, ils sont dans leur mission et dans leur agenda caché qui est d'aller passer du bon temps, en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de créer des débouchés commerciaux aux multinationales américaines. C'est ça la réalité. Donc, ils peuvent rester là-bas le temps qu'ils veulent, tant que ça leur permet de créer de l'inflation au Mali, parce que quand vous avez un pouvoir d'achat d'un volume de personnes comme ça, qui est supérieur à celui des populations, ben vous créez une inflation. Et donc, on a vu en Centrafrique, à cause des ONG, justement, du fait de la présence de l'ONU, la présence des Français et tout le reste, ben, vous avez le coût de la vie qui a sérieusement explosé parce que justement il y a une inflation qui a été importée. Et donc, pour toutes ces raisons-là, il n'y a aucune place pour la MINUSMA au Mali. Donc, et oui, ils se tournent les pouces, mais en fait, ils sont dans leur rôle. Merci infiniment, Paulella, pour cette différente, cette expertise apportée sur les deux sujets soumis à votre regard. Nous avons passé un moment agréable à écouter justement cette expertise et vous donnons rendez-vous une très prochaine fois en disant également merci à ceux qui nous ont regardez et écoutez sur nos différentes plateformes For You Media ainsi que sur notre radio 96.3 FM. Merci, merci à Cassandra, merci à toute l'équipe. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et il faut me flatter un peu plus, je serai là plus souvent. Merci infiniment. Allez, passez d'excellents moments sur nos différents médias car l'information et les programmes se poursuivent. Au revoir, Bamako.